tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les nouveautés de Waze et de CarPlay. Alors, jusqu'alors, quand on allait dans notre CarPlay, on avait notre GPS plan ici, d'accord? Et quand je venais ici, je pouvais afficher plan directement sur cette petite page d'accueil, hein, ce qui nous permettait d'avoir par exemple la musique ici en plus. Voilà, avec cette présentation qui ne prenait pas la totalité de l'écran. Contrairement à celle-ci, hein, qui prend la totalité de l'écran. Ça permettait de gérer la musique en même temps, par exemple. Sinon, il fallait que je fasse musique ici. Et voilà, et du coup, ça me changeait mon écran de présentation. Alors, avec plan, hop, quand je passais ici, eh bien, j'avais ici ce petit écran-là avec des informations éventuellement sur la droite. Donc du coup sur mon application, sur mon téléphone avec je lançais plan ou je pouvais le lancer directement ici et ça fonctionnait parfaitement. Mais Waze, quand j'avais Waze, c'était pas possible. Donc ici maintenant, hop, je vais lancer Waze. Et quand j'ai lancé Waze, je vais lui demander d'aller à la Tour Eiffel. Tour Eiffel Paris. Donc, il me propose ici, hop, la navigation vers la Tour Eiffel. Une fois que je suis là, eh bien, je peux aussi revenir maintenant à l'écran d'accueil. Et j'ai la même chose que plan, c'est-à-dire je vais avoir ici mon écran de navigation. Et sur la partie droite, deux choses, tout ce qui est changement de route, je tourne à gauche, je tourne à droite, j'ai mes ronds-points. Et ici, je vais avoir la possibilité de mettre tout ce qui est musique. Donc soit la musique d'Apple Music, soit la musique d'Amazon Music par exemple. Voilà un petit peu la nouvelle fonctionnalité. Attention, petite information, hein. Si vous voulez profiter de cette fonctionnalité-là, donc je vais dans l'Apple Store, je vais sur Waze, voilà. Il faut absolument que votre Waze soit à jour. Hein. Ce sont uniquement les dernières versions de Waze, donc ici pour nous il y a 3 jours, donc la version 4.69.2. À partir de cette version uniquement, vous pourrez avoir cette fonctionnalité de Waze qui apparaît sur la page d'accueil. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.